la vérité réelle est laide et que beaucoup de gens le savent, mais toujours ignorer le fait que les aliments transformés, la malbouffe, les OGM et des trucs sucrés sont vraiment mauvais pour nous et ces aliments détruisons sur la santé tous les jours. Outre le fait que ces aliments sont en train de détruire notre corps et nous rendent la graisse, vous devez également savoir que ces aliments perturbent notre équilibre du pH ainsi, qui peut être très dangereux. Les gens, nous vivons dans un monde moderne, eh bien oui, et la technologie moderne et de l'industrie, en particulier dans les pays développés comme les États-Unis, a conduit un dépôt de CO2 à augmenter, ce qui a entraîné le pH de l'océan chute de 8,2 à 8,1, un changement qui a eu un impact négatif sur la vie marine. Même l'équilibre du pH du sol que nous cultivons notre nourriture a un impact sur la teneur en minéraux de cet aliment. Minéraux sont, après tout, utilisés comme tampons pour maintenir l'équilibre du pH. Selon les experts, les corps humains sont conçus pour être alcalines, ce qui signifie que si nous mangeons trop transformé et la malbouffe, il y a une grande chance que nous perturbions cet environnement alcalin et faire de notre organisme acide. Eh bien, cela signifie que si notre pH change de niveau alcalin normal à des conditions acides nocifs, il va commencer à affecter notre système immunitaire et nous rendre plus sensibles à la maladie. Notre organisme sera l'environnement parfait pour de nombreuses maladies, dont le cancer. Environnement acide est le meilleur environnement pour la croissance des cellules cancéreuses. Beaucoup d'entre nous pensent que nous sommes mangés sains et nous avons rien à craindre. Mais, vous devez savoir que ces aliments alcalins sont extrêmement bénéfiques pour votre santé en général. Ceci est la raison pour laquelle vous devriez consommer ces aliments tous les jours. Il permettra d'améliorer votre santé et vous vous sentirez beaucoup mieux. Remarque, la liste suivante des aliments alcalins vous aidera à maintenir un sain équilibre du pH dans le corps, et donc combattre même les maladies plus graves, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiaques, et de l'inflammation. Extra virgin olive oil, cette huile ultra saine contient des quantités élevées de vitamine E et de graisse monoinsaturée. Et oui, il est très alcalin. Melons sont impressionnants, pourquoi? Bien, c'est facile de répondre, parce qu'ils éliminent les toxines du corps et de l'hydrater. Les graines de lin, combien de fois mangez-vous des graines de lin? Selon les experts, ces graines ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes et sont riches en fibres et en vitamines. Le char suisse, vous devez savoir que cet ingrédient a antioxydants puissants, antibactériens et propriétés antivirales, et est très alcalin. Baies, nous pouvons facilement dire que baies sont l'un des aliments les plus sains de la planète, et ils sont chargés avec des fibres et antioxydants. La liste suivante contient des aliments alcalins qui devraient être inclus dans votre alimentation. Protéines alcalinisantes, tofu, amandes, demi-lait, châtaignes, tempeh, fruits alcalinisants, figues, pastèques, pommes, tomates, raisins, fruits tropicaux, rindes, vous, citron, mandarine, ananas, avocat, abricot, banane, noix de coco, raisin, citron, vert, orange, légumes alcalinisants, carottes, tomates, greens, vous connaissez, oignons, choux, aubergines, choux, épinards, pois verts, feuilles de moutarde, champignons, rutabagues, greens sauvages et céleri, oui, grâce à betteraves, spi en lit, concombre, brocoli, pois, panais, spiruline, haricots verts, choux, fleurs, chlorella, luzerne, herbe d'orge, légumes de la mer, collard vert, fleurs comestibles, épices et assaisonnements alcalinisants. Tamari, curry, pimente, cannelle, gingembre, moutarde et toutes les herbes, autres aliments alcalinisants, mélasse, minérale, veggie juice, vinaigre de cidre de paume, pollen d'abeille, culture, probiotiques et jus vert. Nous espérons vraiment que vous trouverez cet article utile et ne pas oublier de le partager avec vos amis et votre famille. Merci et bonne